Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir donc à l'IH2EF, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, pour un direct que nous avons souhaité donc porter sur la question de la compréhension à l'école maternelle. Donc, nous sommes ravis à la fois d'accueillir des inspecteurs de l'éducation nationale, des directeurs d'école, des enseignants, tout public qui s'est senti donc concerné par ce sujet et qui a pu donc nous rejoindre aujourd'hui. Donc je suis en plateau aujourd'hui accompagnée de Catherine Mottet, Madame l'inspectrice générale, merci, puisque vous êtes donc inspectrice générale et vous allez avoir la charge ce soir de nous éclairer sur cette question de la compréhension à l'école maternelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors écoutez, je vous propose de commencer, non sans rappeler justement au public qui est face à nous en quelque sorte, que vous avez donc des moyens d'interagir avec nous et je serai de manière extrêmement régulière à votre contact à distance, puisque pour les personnes qui nous suivent actuellement, vous avez la possibilité d'interagir soit via le hashtag direct IH2EF et vous avez également la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent donc de nous contacter via aussi une plateforme avec un code d'accès qui vous sera régulièrement signalé comme c'est actuellement le cas. Donc écoutez, voilà, nous allons commencer. Donc la compréhension à l'école maternelle, vaste sujet, un sujet qui nous concerne depuis maintenant de nombreuses années. Mais finalement, est-ce que nous y mettons tous la même chose, entre guillemets, derrière, c'est-à-dire derrière le terme de compréhension? Est-ce que finalement, ce qu'on appelle la compréhension au collège, au lycée, est-ce que c'est la même chose qu'à l'école élémentaire ou à l'école maternelle? Donc, sur la compréhension à la maternelle, donc voilà le diaporama qui apparaît. C'est une notion qui est effectivement souvent interrogée plus tard dans le cursus de l'élève et à laquelle on accole souvent l'expression de l'écrit. Pour autant, il ne faut pas sans doute enfermer la notion de compréhension à la maternelle autour de l'objet écrit, la vocation de la maternelle étant de préparer l'enfant à approcher la culture de l'écrit, mais sans doute la maternelle offre-t-elle d'autres objets de compréhension que le simple objet écrit. C'est donc un des premiers enjeux finalement de cette intervention, de savoir de quoi on parle à la maternelle quand on aborde le sujet de compréhension. C'est-à-dire que ça nous invite à penser la spécificité de l'école maternelle. Et donc la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019 nous invite à préciser cette particularité de la maternelle. Avec la loi, la maternelle est devenue aussi importante que l'école élémentaire. Mais cette importance n'est pas à comprendre au sens d'une anticipation de l'école élémentaire, ni encore moins d'une primarisation de l'école élémentaire. Bien au contraire, les programmes de 2015 et les retouches éventuelles, les retouches qui ont suivi les programmes, sont très claires sur le sujet et affirment la particularité de la maternelle. Donc parler de compréhension à la maternelle, ce n'est sûrement pas de parler uniquement de compréhension de l'écrit, on abordera évidemment ce sujet, mais c'est aussi s'interroger sur ce qui est donné à comprendre à l'enfant de 3, voire parfois moins, hein, de 3 à 6 ans. Par rapport au terme de compréhension, ça renvoie à comprendre. Et qu'est-ce qu'on met derrière le verbe comprendre, justement? Est-ce qu'on est tous bien au fait de cette étymologie, on va dire? Alors, l'étymologie de comprendre est vraiment intéressante. Elle vient donc, le mot vient du verbe latin cum prehendere, c'est-à-dire mot à mot prendre avec. C'est un sens physique très concret qui donne donc en français deux acceptions fréquentes. Le premier sens que j'ai appelé quantitatif, c'est celui qu'on trouve dans l'expression, par exemple, « mon exposé comprend 3 parties », qui indique une idée de contenant, un rapport de contenant à contenu. Le deuxième sens est qualitatif, il s'agit de donner un sens mental au verbe « comprendre », celui du fameux, par exemple, « je vous ai compris ». Alors, ces deux sens sont assez courants dans la langue, ils sont pour autant séparés. Et ce qui est intéressant, finalement, quand on parle de compréhension chez les jeunes enfants, c'est qu'on constate souvent une forme de porosité des deux sens. On peut trouver dans le mode de compréhension de l'enfant quelque chose de l'ordre du « prendre avec ce sens très physiologique du terme qui permet la compréhension mentale. Donc on reviendra finalement souvent à l'étymologie du verbe parce que c'est sûrement le propre de la compréhension chez le jeune enfant.
Et est-ce que justement, parce que souvent on va facilement en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant dire je ne comprends pas. Alors en maternelle, ils ne le verbalisent pas aussi facilement, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut affirmer quelque part que parfois on comprend plus qu'on ne le croit finalement ? Effectivement, et c'est là une des difficultés finalement du sujet. L'enfant comprend beaucoup plus qu'il ne produit. Les spécialistes de psychologie développementale estiment qu'il y a plusieurs mois d'écart entre ce que comprend un enfant et ce qu'il est capable de produire. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut constater les mêmes écarts chez un adulte quand il s'agit d'apprentissage en cours de route. Prenons l'exemple des langues vivantes. Jusqu'à un certain niveau de compétence, on est souvent meilleur récepteur, meilleur compreneur que meilleur locuteur. Donc finalement, cet écart, il se retrouve aussi sur certains objets chez l'adulte. Mais chez l'enfant, il est tout à fait prégnant et il pose une vraie difficulté qui débouche aussitôt sur une autre. C'est que la plupart du temps, dans une classe, le professeur vérifie la compréhension de ses élèves en leur posant des questions et en attendant une reformulation. Or, chez des enfants de 3 à 6 ans, et notamment chez les 3-4 ans, il est très difficile d'obtenir une reformulation qui donne un état précis de la compréhension de l'enfant. Autrement dit, le professeur est très souvent démuni pour comprendre, pour savoir précisément où en est l'enfant dans sa compréhension. Et à ce phénomène s'ajoute une autre difficulté qui a été évoquée par Olivier Huneau dans son intervention sur la construction du nombre en mathématiques, qui est celle de la variabilité interindividuelle, qui vient de l'âge. Il a été très précis sur cette question et je crois que c'est inutile de développer à nouveau cet aspect, mais il est évidemment très important sur le plan du développement du langage chez l'enfant. Et cette variabilité, elle vient aussi, bien évidemment, des conditions de vie de l'enfant, de son vécu psychique, affectif, du bain linguistique et culturel dans lequel il se situe. Donc ces questions de variabilité interindividuelle, elles sont extrêmement importantes. Sans doute ne sont-elles jamais suffisamment prises en compte dans les classes, et notamment la question de l'âge de l'enfant, hein, la différence entre ces fameux enfants nés en janvier-février et ceux qui sont nés en novembre-décembre, qui ont un an quasiment d'écart, et quand on a 3 ans, un an d'écart, c'est un tiers de sa vie. Donc tout ça pèse sur la question de la compréhension et en fait une espèce de nébuleuse finalement qu'il est parfois difficile de saisir et qu'on va donc tenter de clarifier aujourd'hui quelque peu. Justement, alors quels sont les fondements de la compréhension maternelle, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Alors sur les fondements de la compréhension maternelle, donc moi j'ai repéré 3 objets qui constituent donc les 3 parties de mon exposé. L'école en tant que telle me semble un objet véritablement de compréhension. Travailler la compréhension à la maternelle, c'est s'assurer d'abord que l'enfant comprend l'école, comprend ce que c'est, comprend ce qu'il y fait, et puis évidemment ensuite la question du langage oral et du langage écrit. Mais peut-être un commentaire sur cette organisation du propos. Ces 3 objets de compréhension, qui constituent donc 3 axes de travail, ne sont pas des objets disjoints ni consécutifs. C'est-à-dire que tout est extrêmement imbriqué. C'est ce qui fait la complexité de l'enseignement en maternelle, je pense. C'est que tout se tient et que pour faire en sorte qu'un enfant entre le plus clairement possible dans les apprentissages avec une compréhension qui fonctionne le mieux possible, il faut absolument tenir les différents enjeux de cette compréhension. Alors, vous l'évoquiez aussi, la maternelle, on a tout ce côté aussi émotionnel, les émotions, ce que l'on ressent. Alors, c'est aussi vrai par la suite, hein, en tant que jeune enfant, adulte, mais c'est encore plus vrai peut-être à la maternelle, où on ressent des premières émotions importantes. Absolument. Et à partir de là, justement, est-ce que l'objectif de l'école maternelle, c'est de mettre tout cela à distance pour permettre de se concentrer sur autre chose, pour mieux comprendre ? Alors, sans doute, c'est l'objectif de l'école, je dirais, de façon générale, de la maternelle. Peut-être pas tout de suite, parce que cette mise à distance, elle est extrêmement difficile chez des jeunes enfants. On peut commencer par rappeler que l'école maternelle, toute bienveillante soit-elle, toute désireuse soit-elle de donner envie aux enfants d'aller à l'école, elle représente une rupture radicale dans le mode de vie des enfants. Une rupture parce que c'est un temps de séparation avec les parents, important. Une rupture parce que l'enfant y rencontre toutes sortes d'adultes. Alors on pense évidemment tout de suite aux professeurs et à l'ATSEM, mais mesurons un peu le nombre d'adultes auxquels est confronté un jeune enfant quand il va à la garderie. On avait calculé que ça pouvait être de 8 à 10, voire exactement, plus par jour. La garderie, le temps de restauration, c'est quelque chose d'assez effrayant en fait pour un jeune enfant.
Pensons à l'apprentissage, à la découverte des lieux, qui sont aussi des lieux nouveaux, aux autres enfants, aux activités qui sont proposées, qui sont bien plus diversifiées qu'à la maison, et puis au rythme de vie de l'enfant qui peut changer considérablement à partir du moment où il est à la maternelle. Autrement dit, le premier objet à comprendre, c'est bien l'école, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie qu'on m'impose, hein, et qu'on impose maintenant d'autant plus qu'il y a donc obligation d'instruction à partir de 3 ans, et qu'est-ce que j'y fais ? Donc, vous voyez, en fait, on retrouve bien là les deux sens du verbe comprendre, parce que comprendre l'école, c'est d'une certaine manière la faire sienne, l'intégrer à son mode de vie, et puis comprendre aussi, donner du sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce qu'il faut que j'y aille tous les jours, quel est l'intérêt pour moi, finalement. Donc la compréhension, elle passe déjà par cette première compréhension-là, oui, qui forcément va reposer aussi sur un lien nécessaire entre l'école et les parents. Ça veut dire que là, il y a un relais indispensable pour justement mieux appréhender cette compréhension de ce nouveau monde. Exactement. Alors, les parents, on en parlera un petit peu plus tard, mais sans doute la première chose dont il faut parler, c'est la question des émotions de l'enfant. Donc, vous avez là donc un extrait d'ouvrage de psychologie développementale dont je fournirai la référence plus tard, hein, dans le diaporama, et qui renvoie donc à ce psychologue français qui s'appelle Henri Vallon et qui est, avec Jean Piaget, un des fondateurs de la psychologie développementale et des courants actuels de la psychologie développementale qui tiennent compte de plus en plus de la question des émotions depuis quelques décennies. Et donc sur le rôle des émotions, Henri Vallon dit de l'émotion qu'elle est une première forme de compréhension. Ce qui est extrêmement intéressant. Alors on parle là du bébé, mais pour comprendre l'enfant de 3 à 6 ans, il faut parfois revenir un peu en arrière et savoir comment évolue un jeune enfant avant l'entrée à l'école. Alors pourquoi assimiler émotion et compréhension ? Parce que l'émotion, au sens d'agitation, donc là encore on renvoie à l'étymologie du terme, hein. L'émotion, c'est ce qui agite le bébé, c'est-à-dire ce qu'il ressent, et puis plus, ce qu'il ressent sur le plan physique, et ce qu'il ressent en termes de sentiments, de la peur, de la douleur, etc. C'est son premier mode de communication avec son environnement immédiat. Et à partir de là, on considère que c'est un signe précurseur, finalement, des relations qu'il va construire avec son entourage. Ces émotions, elles vont conduire l'enfant à rechercher, dans son évolution, dans ses premières années, la relation à autrui par rapport à l'attachement originel qu'il a avec sa mère ou avec le substitut de sa mère, selon les situations familiales, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Donc ça, c'est déjà un premier point à prendre en compte à l'école, c'est que l'enfant a besoin de cette relation proche avec un adulte de référence. Et la deuxième chose qui est très importante à prendre en compte, me semble-t-il, sur le plan des émotions du jeune enfant entre 3 et 6 ans, c'est la question de la régulation des émotions. On sait aujourd'hui qu'un enfant jusqu'à 5 ans environ est incapable de réguler seul ses émotions. Or, il est à naître d'émotions, c'est-à-dire que la colère, on le voit dans les caprices des enfants, dans les crises que certains piquent plus que d'autres sans doute, mais on voit que les enfants ont beaucoup de mal à prendre sur eux pour réguler leur colère, leur tristesse, leur douleur s'ils se font mal, etc. Et dans ces moments-là, l'organisme sécrète des hormones, donc c'est maintenant des choses qui sont extrêmement contrôlées scientifiquement. Autrement dit, ce qu'on pouvait savoir intuitivement pendant des années est maintenant vérifié scientifiquement. Et ce sont ces fameuses hormones qui vont faciliter ou pas les apprentissages. C'est-à-dire qu'un enfant qui est stressé, qui n'est pas bien, va sécréter des hormones qui vont entraver ses capacités cognitives. Et un enfant qui, au contraire, se sent en sécurité, eh bien, sécrète des hormones dites du bonheur, celles qu'on sécrète quand on fait du sport, par exemple, et qui vont développer, au contraire, ses capacités cognitives et sa confiance en lui. Donc ça, une école vraiment bienveillante, qui sécurise, hein, c'est l'objet du discours aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est indispensable pour permettre cette entrée sécurisée dans les apprentissages par la suite c'est aussi. C'est ça, c'est-à-dire sécurité affective. Voilà, le béaba de la compréhension de l'enfant à l'école, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation empathique, chaleureuse, bienveillante, pour qu'un enfant se sente tout simplement bien à l'école.
Et vous l'évoquiez, de fait, ces émotions ont aussi un impact hein, sur le développement de l'enfant, sur son comportement. Donc, ça, c'est indispensable aujourd'hui. On voit bien que chacun n'évolue pas de la même manière. Exactement. Et donc, on soulevait tout à l'heure sur le rôle des parents. Peut-être qu'on peut y revenir aussi. Oui. Alors, le rôle des parents sur le plan émotionnel, il est particulièrement important. Là, je vais passer à la diapositive suivante. On reviendra en arrière après. C'est pas grave. Le rôle des parents par rapport à cet enjeu émotif, il est fondamental puisque l'enfant a besoin d'avoir un chaînon finalement entre la société familiale, domestique et la société scolaire. Autrement dit, la place des parents à l'école est fondamentale physiquement. Alors, ça renvoie bien sûr au temps d'accueil, enfin tout ce que les enseignants et les personnels d'encadrement connaissent très bien, l'importance du temps d'accueil, l'importance de l'invitation des parents à accompagner des sorties, à animer, intervenir dans des ateliers quand ils en ont bien sûr la disponibilité. Ça, c'est tout le côté présence à l'école et puis éventuellement présence dans la salle de classe, comme le rappelle le programme d'enseignement de l'école maternelle, de façon évidemment régulée. Il n'est pas non plus question que l'école devienne un défilé ininterrompu de parents sans aucune organisation de la chose, ce serait invivable. Mais le parent doit avoir sa place à l'école. Et sans doute le deuxième aspect important de cette question des parents, c'est la perception par l'enfant de la connivence que peut avoir le parent avec l'école. Et ça va se jouer plutôt à l'extérieur de l'école, plutôt à la maison. Et l'école a assez peu de prise finalement là-dessus, sauf par quelques éléments qu'elle peut donner pour faciliter ce travail. Connivence, c'est-à-dire rappeler aux parents que plus il va s'intéresser à ce que fait l'enfant à l'école, mieux c'est. Plus ils vont en parler à la maison, mieux c'est. Plus les documents navettes, type cahier de vie, album, écho, vont circuler entre l'école et la maison, mieux c'est. Sans pour autant transformer le parent en pédagogue bis, ni en parent scolarisé. C'est-à-dire que les parents sont des parents d'enfants avant d'être des parents d'élèves. Mmh. Et surtout à la maternelle, ce sont d'abord des parents d'enfants. Donc peut-être aussi est-il important que l'école dise aux parents, et là je renvoie aussi à ce que disait Olivier Huneau tout à l'heure sur la construction du nombre, que finalement, ce qui peut se faire à la maison et qui n'est pas scolaire est tout autant source d'apprentissage pour les enfants, notamment en termes de langage. Alors c'est sans doute plus facile d'en parler sur le plan du langage que sur le plan de la construction du nombre qui implique quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus délimité scientifiquement. Mais tout ce que va faire le parent pour faire en sorte que l'école vive aussi à la maison et pour que l'enfant parle et entende du langage et comprenne, tout ça, c'est important et on n'a pas pour autant besoin d'hyper-scolariser de façon prématurée le parent qui reste un parent de jeune enfant. Par rapport aux besoins des enfants, justement, à la fois le lien entre le corps et la compréhension, le lien aussi avec ses besoins vitaux. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut en dire avec, exactement, avec la compréhension ? On parlait tout à fait des besoins émotionnels, affectifs des enfants. L'autre besoin fondamental du jeune enfant, c'est l'engagement moteur. Donc sur cette question, il est très important de rappeler aussi que le mode de découverte de l'extérieur par le jeune enfant, c'est l'exploration, c'est le toucher, et c'est par ces différentes activités dont on rappelle dans la diapositive le cheminement hein, dans le temps entre l'appréhension vers 4 mois et la maîtrise de la propreté qui est l'étape ultime jusqu'à 4 ans pour la nuit, l'enfant découvre l'espace, il découvre le temps, il découvre les relations de causalité dans tous les objets qu'il manipule et tout ce qu'il va commencer à pouvoir faire avec ses mains, avec ses jouets, avec les objets qu'il rencontre. Et donc le corps est aussi finalement un signe d'apparition de l'intelligence et une première forme de l'intelligence chez le jeune enfant. Donc vous voyez, l'émotion, première forme de compréhension, et le développement psychomoteur de l'enfant, source de l'intelligence.
Et il peut s'exprimer ainsi aussi, il peut exprimer sa compréhension de situation aussi par le biais du corps. Exactement, voilà. Et ça, l'école maternelle ne peut pas l'oublier. Elle ne peut pas l'oublier parce que c'est très présent dans ses programmes. Les deuxième et troisième domaines d'apprentissage sont quand même focalisés sur le corps. Alors, dans le deuxième, c'est très clair par les activités physiques, mais par les activités artistiques aussi, parce que les activités artistiques conduisent l'enfant à toucher, à manipuler de la peinture, à modeler, à utiliser vraiment ses mains, voire son corps dans la danse et dans le chant pour s'exprimer. Donc les programmes sont vraiment très insistants sur cette question-là, en rappelant aussi qu'on préconise entre 30 et 45 minutes par jour d'activité motrice. Et c'est d'autant plus important que c'est sans doute une des seules précisions temporelles qui soit donné par les programmes d'enseignement de l'école maternelle, qui ne chiffrent pas en nombre d'heures le respect de certains champs disciplinaires qui, du reste, ne sont pas présents dans les programmes à la maternelle. Mais justement, cette indication de temps sur l'activité motrice, c'est tout à fait significatif de son importance. Et au-delà de ces 30 à 45 minutes par jour d'activité motrice, la pédagogie de l'enfant passe vraiment par le corps, la manipulation, le toucher et le jeu. Le jeu, du coup. Voilà, dont on évoque ici une certaine typologie, les jeux d'exercice qui permettent la découverte, par exemple, du nombre par la manipulation, mais aussi des lettres, parce qu'on fait manipuler beaucoup de lettres aux enfants en moyenne section et en grande section. Les jeux symboliques qui sont très importants pour l'apprentissage du langage, parce que par le jeu symbolique, on parle, on invente des situations qui produisent du langage, et puis les jeux de règles qui sont importants pour socialiser l'enfant parce qu'il doit y respecter des codes et qui vont permettre aussi toutes sortes d'apprentissages très différents selon le jeu que l'on choisit. Et si nous faisions une première petite synthèse peut-être de cette partie avant de rentrer justement dans le comprendre à l'oral. Oui, alors la première synthèse nous permet d'insister sur le bien-être de l'enfant à l'école. C'est ce bien-être qui va lui permettre d'accepter l'école, de la comprendre, de la comprendre dans le sens où l'enfant comprend que l'école lui veut du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Et puis de comprendre aussi, au-delà de cette première forme de compréhension, de comprendre que l'école est là pour lui apprendre des choses, pour l'aider à grandir, à se développer correctement. Et à partir de là, l'enfant est disponible pour apprendre tout ce qu'on va lui soumettre à ses capacités de compréhension. Cette attention au bien-être de l'enfant, elle est absolument primordiale en petite section. Elle peut s'amenuiser, elle peut aller en s'amenuisant en moyenne section, en grande section, mais malgré tout, ça reste quelque chose d'absolument fondamental, puisque même en grande section, on est confronté à de jeunes enfants, des enfants entre 5 et 6 ans. Et c'est fort de cette première compréhension que l'enfant peut entrer dans les apprentissages et par exemple dans l'apprentissage de la langue orale. Donc là, il y a une première intervention justement avec les moyens que nous avons mis en place d'interaction avec le public qui nous écoute, qui interroge justement la formation aussi initiale des enseignants à toutes ces questions-là. Oui. L'importance justement de tout ce côté aussi bien-être, développement moteur, développement psychologique pour justement sécuriser. Donc on en reparlera aussi, mais le levier de la formation est essentiel pour les enseignants. Bien sûr. Donc toutes ces conditions d'ailleurs sont indispensables et là on va l'évoquer, c'est la deuxième partie puisque là nous allons parler de la compréhension justement comprendre le langage oral. Donc les conditions que vous évoquiez précédemment sont un préalable justement à pouvoir justement comprendre ensuite le langage oral et on verra ensuite s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut justement dire sur comment ces fondements, les fondements que vous avez cités là, favorisent et développent la compréhension du langage oral? Alors, on est là donc vraiment sur une priorité absolue de l'école maternelle, le langage oral et le langage écrit. Mais effectivement, c'est le moment où l'enfant progresse le plus, probablement dans le langage oral, avec la fameuse explosion lexicale sur laquelle on reviendra entre 3 et 6 ans. La forme la plus courante du langage oral à l'école maternelle, et même après d'ailleurs, c'est la forme de l'interaction, c'est-à-dire de ce dialogue
entre le professeur, les adultes présents, on va dire de façon générale, et les enfants, qui se met en place de façon très naturelle, à la fois dans les temps proprement d'apprentissage, mais aussi dans tous ces moments qui sont très importants à l'école, qui sont les temps d'accueil, de regroupement, de déplacement de l'enfant dans différents espaces de l'école, de récréation, etc. Cette interaction, elle est parfois collective, l'enseignant s'adresse à tout un groupe, mais il est important qu'elle puisse être, et on sait bien que c'est difficile hein, en fonction de l'effectif qu'on a devant soi, mais qu'elle puisse être duelle ou en tout cas en petit groupe. Alors, pourquoi cette insistance sur la relation duelle ou en petit groupe ? D'abord parce qu'on retrouve là toute l'importance de la relation humaine, affective, qu'on a développée dans la première partie. C'est justement l'interaction en tout petit groupe qui permet à l'enfant de sentir qu'il est reconnu, qu'il est repéré, qu'il est valorisé, qu'il est écouté, qu'il est compris, qu'on fait attention à lui. Et plus cette relation est empathique et chaleureuse, mieux c'est évident. Là, chaque adulte a son rôle à jouer. Et chaque adulte a son rôle à jouer. Et l'ATSEM, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a un rôle absolument fondamental, surtout quand dans une salle de classe, on se retrouve avec un groupe de 20 et quelques enfants. L'ATSEM peut vraiment jouer un rôle très important dans cette interaction qui fait vraiment partie des apprentissages de façon très importante à partir du moment où certaines conditions, effectivement, de l'interaction sont respectées. Une des conditions dans la relation duelle ou en petit groupe, c'est sans doute, alors des choses très basiques, mais c'est de se mettre à hauteur d'enfant. Pourquoi ? Parce que le fait d'être à hauteur d'enfant, déjà, rend la relation plus proche, plus chaleureuse, mais aussi parce qu'en se mettant à hauteur d'enfant, l'enfant lit les signes non-verbaux de la communication. Le regard, l'expression, une mimique que fait l'adulte qui parle à l'enfant. Et ça lui fournit un support visuel pour faciliter la compréhension. Donc ça, c'est déjà une première petite chose à laquelle on peut être attentif. Le deuxième critère, sans doute, d'une interaction bien pensée et fructueuse sur le plan pédagogique, c'est la question de la qualité de la langue qui est parlée. On observe souvent, les adultes le font souvent assez spontanément, intuitivement, mais que quand on s'adresse à un jeune enfant, on modifie sa façon de parler. La voix, par exemple, change parfois même de tessiture, elle est légèrement plus aiguë, le débit se ralentit, l'articulation est plus forte et la prononciation se veut plus juste, plus rigoureuse. Et tout ça est extrêmement important parce que non seulement ça facilite la compréhension, mais ça engage la suite des apprentissages. Quand un enfant entend des mots bien prononcés, il aura beaucoup moins de difficultés ensuite dans l'apprentissage des sons, tout le travail de phonologie qui se met en place, et donc dans l'apprentissage de la lecture. Donc il y a là aussi un enjeu par rapport à la question de la lecture. Donc bien s'assurer de l'expression que l'on a, la reformulation auprès des élèves, prendre ce temps-là. Voilà, et les ATSEM sont sans doute à former sur cette question-là, tout autant que les professeurs des écoles, parce que leur rôle est absolument fondamental sur cette question. Alors nous l'avions évoqué justement lors d'un précédent direct sur cette question-là. Oui. Nous avions Thierry Vasse, hein, qui est donc très investi, qui était directeur de l'éducation, qui est maintenant directeur général adjoint dans une commune et qui porte ces questions de formation conjointe entre les ATSEM et les enseignants justement pour cette nécessité de qualité d'expression auprès des élèves et d'importance du discours porté pour que les élèves reformulent correctement aussi. C'est ça. Donc l'autre principe, c'est le caractère modélisant du langage. Alors modélisant, malgré tout, on reste à l'oral. Hein. Donc c'est toujours une question assez sensible parce que autant certains éléments de la langue orale dont on parlera juste après, les consignes, peuvent se rapprocher d'un oral scriptural, autant dans l'interaction, c'est quand même assez difficile. Mais malgré tout, il importe de veiller à la correction de son vocabulaire, à la précision, employer le mot juste sans pour autant aller chercher un vocabulaire très compliqué, et à la correction de la syntaxe. Que l'enfant entende un langage qui soit juste, courant, standard. Et respecter effectivement ce principe de zone proximale de développement sur lequel je ne vais pas m'attarder parce que je crois que c'est un élément pédagogique très, très connu, mais faire en sorte justement de s'adapter à la variabilité interindividuelle et parler juste au-dessus du niveau de production de l'enfant, ou en tout cas au-dessus, en tenant compte du fait que sa compréhension est supérieure à sa production. Donc on peut cibler vraiment au-dessus du niveau de production pour que l'enfant soit tiré vers le haut et que son langage s'améliore, s'enrichisse au fur et à mesure des interactions.
Alors, vous évoquiez justement la particularité des consignes. Donc, les consignes font partie, en effet, des interactions entre les adultes et les enfants de l'école maternelle. Et souvent, on voit que c'est quelque chose qui est assez bien compris au fil de l'école maternelle. Donc, on va revenir dessus. Mais c'est vrai que finalement, lorsqu'il y a des évaluations, je dirais, de langage et de compréhension, tout le lexique autour de l'école et la compréhension de consignes, globalement, plutôt bien maîtrisé. Donc voilà, les résultats l'indiquent. Par contre, on voit bien que des compréhensions d'autres situations, de situations de vie quotidienne, etc., sont peut-être parfois moins maîtrisées. Donc les consignes, est-ce que ça reste quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on insiste? On continue à les développer? On les rend plus riches, plus complexes par la suite? Ça reste quelque chose d'important dans la mesure où elles font partie de l'interaction aussi, au même titre que d'autres éléments de langage. C'est vrai qu'elles sont. On s'est beaucoup, beaucoup intéressé aux consignes depuis quelques années et on peut peut-être considérer qu'à partir de là, l'enseignement a été plus explicite autour des consignes, avec une prise de conscience des enseignants de ce vocabulaire parfois très spécialisé finalement qu'ils utilisaient. Alors peut-être peut-on s'inspirer de ce qui a marché pour les consignes, c'est-à-dire l'aptitude qu'a le professeur de montrer le lien entre le mot et la chose pour l'ensemble du langage qu'on utilise avec l'enfant. Et c'est ce lien entre le mot et la chose qui est absolument important, que l'on peut construire dans l'interaction, parce que généralement l'interaction, elle est contextuelle. Elle est ancrée dans une situation, dans l'ici et dans le maintenant. Donc l'enfant a des supports, outre les supports non-verbaux dont on parlait tout à l'heure, a des supports visuels qui lui permettent de saisir de quoi on lui parle. Et si on a fait des progrès, je pense, dans l'enseignement des consignes, dans la compréhension des consignes, c'est parce qu'on a su faire ce lien entre le mot et la chose. Donc dans l'interaction, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte constamment par la situation. Mais si on aborde dans l'interaction le langage des vocations, et cela arrive forcément, langage des vocations, c'est-à-dire renvoyer à l'enfant à ce qu'il a fait la veille ou à ce qu'il va faire plus tard ou à un personnage d'album qui a été lu sur lequel on va revenir, ou à une personne de l'entourage de l'enfant, tout simplement, hein, évoquer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas là. Sur ce point-là, la compréhension peut vraiment être aidée, toujours par un référent visuel. Une photo, un dessin, un objet, l'album dont on parle, un document numérique. Le numérique est extrêmement utile pour ancrer dans le réel la compréhension du jeune enfant. Donc c'est ce lien vraiment entre le mot et la chose qu'il faut travailler. Alors là, on était dans les interactions. On voit bien l'importance des interactions adulte-enfant, enfant-enfant aussi. Hein, puisque exactement. Que bah oui, ça, il faut aussi. Il y a un impact important aussi, hein, que les enfants entre eux, parfois, se comprennent parfois mieux, ou en tout cas se comprennent différemment. Donc c'est quelque chose à observer, à accompagner, à faire progresser. Cela dit, on sait bien aussi que les interactions ne suffisent pas, puisqu'on voit bien que pour comprendre, il faut aussi maîtriser du lexique. Il faut avoir un bagage lexical. Donc peut-être qu'on peut préciser des éléments à ce sujet. Oui, alors sur le lexique, qui mérite des heures de formation et de conférences. Donc bon, un rappel hein, déjà de nos difficultés sur l'apprentissage du lexique, parce que certes, l'oral de l'enfant, l'interaction nourrit le lexique nourrit l'oral, selon un cercle vertueux, mais manifestement ce cercle vertueux, nous ne le maîtrisons pas complètement, puisque nous observons encore des difficultés importantes dans les évaluations de cours préparatoires. Alors là, je renvoie évidemment aux résultats de 2019. Avec des résultats qui sont quelque peu préoccupants, puisque même au général, vous le voyez, nous sommes à 70% de réussite et seulement 40,6% en REP+. Autant dire que sur l'apprentissage du lexique, nous avons encore du travail devant nous. Alors juste pour rappel, mais bon, les enseignants et les inspecteurs qui nous écoutent ont eu sous les yeux les évaluations de 2020, mais les évaluations de 2019 proposaient des exercices de ce type. Il fallait, par exemple, sur une page de cahier entourée hiver. Et donc là, vraiment, ce qui est demandé à l'enfant, c'est bien de faire le lien entre le mot et la chose, et entre le mot et une certaine imagerie de la chose. Autrement dit, dans la compréhension que l'on propose aux enfants, que l'on construit chez les enfants, il faut bien passer par une image qui peut tenir compte des différentes acceptions d'un mot. C'est-à-dire que l'hiver, effectivement, doit être associé au froid, aux changements, aux modifications de climat,
La notion de bonhomme de neige et de flocon, elle n'est pas la même chez tous les enfants selon l'endroit du monde où on vit. Et sans doute, est-ce là une compréhension complète du mot à construire en maternelle? Parce que l'enfant de lui-même pourrait très bien, par exemple, entourer l'arbre du dessous, qui a perdu déjà pas mal de feuilles, et considérer que c'est aussi une manifestation de l'hiver. Pour autant, la réponse juste, c'est bien celle qui comporte le bonhomme de neige. Donc, il y a sans doute une précision du sens à rechercher, à construire, en tout cas, dès l'école maternelle, et qui passe par la représentation vraiment imagée du mot. Donc laisser finalement la représentation des mots le plus longtemps possible, autant que nécessaire. Exactement. On avait par exemple une intervention là de quelqu'un du participant qui nous écoute actuellement sur quelle attention on peut avoir en petite section. Donc on peut encourager finalement cette représentation du mot vraiment le plus longtemps possible, même en moyenne section, en grande section, autant que de besoin finalement. Exactement, oui. C'est-à-dire que c'est toujours en cours, toujours à préciser, toujours à supporter de façon iconographique. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Et ça peut être une bonne façon, on parlera des albums plus tard, mais peut-être une des façons les plus pertinentes d'utiliser les illustrations d'albums, c'est justement de faire ce lien entre l'illustration et le lexique, plus que le lien entre l'illustration et le déroulement même de l'histoire et le sens de l'histoire. Il y a vraiment là quelque chose à chercher de l'ordre de la précision du sens des mots par rapport à ce que l'image peut en donner à lire et à comprendre. Alors, pour mieux comprendre, il faut, comme on le disait, maîtriser aussi donc, ce lexique-là. Oui. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui nécessite un apprentissage. Oui, un apprentissage. Avec des points de vigilance, avec des éléments dont vous pouvez peut-être nous parler. Structuré, explicite. Bien sûr, on peut renvoyer au fameux guide vert, qui est très, très précis sur cette question didactique et pédagogique. Et puis, donc ici, insister quand même sur quelques éléments qui favorisent sans doute l'apprentissage du lexique au sens de compréhension, vraiment du lexique. Donc je ne prétends pas parler de l'ensemble de la didactique et de la pédagogie du lexique, mais vraiment essayer de voir sur le plan de la compréhension ce qui peut faciliter les choses pour l'enfant. Pour les enfants. Donc outre le contexte et les supports non-verbaux dont on a déjà parlé, il y a la question de l'attention conjointe. Et alors cette attention conjointe, là ça vient aussi, c'est un terme qui vient de la psychologie du développement. C'est un état qui s'installe à la fin de la première année de vie de l'enfant à peu près et qui permet à l'enfant d'entrer en communication avec un tiers, alors le plus souvent avec un adulte à cet âge-là, sur un objet extérieur. On parle d'attention conjointe à partir du moment où l'enfant est capable de fixer son attention en même temps qu'une autre personne sur un même objet et de créer en fait une espèce de triangle, moi, l'adulte, et l'objet dont on parle. À partir de la fin de la première année, l'enfant, en principe, est capable de fixer son attention de cette manière. On considère que c'est un signe précurseur non-verbal très fort de la relation à autrui. Parce que ça veut dire vraiment que l'enfant est entré en communication avec quelqu'un d'autre sur un objet commun. Et c'est à partir de cette installation de l'attention conjointe que l'enfant va entrer dans la phase du « c'est quoi ça ?» qui l'amène à demander le nom de tous les objets qu'il rencontre. Ça veut dire que l'enfant est vraiment capable d'attention conjointe. Et bien cette attention conjointe, il faut absolument l'obtenir en maternelle quand on veut vraiment faire une séance de lexique explicite. Et d'où aussi l'intérêt de pouvoir le faire en petits groupes, quand on peut. Alors, ce n'est pas tout le temps possible, mais sans doute dans la pédagogie mise en place autour du lexique, y a-t-il une attention particulière à porter à ces moments où le professeur est seul avec 3, 4, 5 élèves et arrive à focaliser leur attention sur un certain nombre d'objets qui va permettre de construire le lexique. Donc ça, c'est vraiment un premier point, cette attention conjointe. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, c'est très difficile de s'assurer de la compréhension et a fortiori de la mémorisation du lexique. Le deuxième élément qui peut favoriser la compréhension, c'est la question de la syntaxe, alors qui peut surprendre, mais en fait, on observe aussi, là ce sont les sciences cognitives qui nous le disent, que les enfants mémorisent le patron syntaxique de la phrase française, donc le schéma canonique, schéma simple, voilà, sujet, verbe, objet, de façon évidemment non consciente, mais bien avant la morphologie. C'est-à-dire qu'ils ont ce schéma en tête
avant même d'être capable de faire un accord entre un déterminant et un nom. C'est quelque chose qui s'installe très vite par imprégnation, en fait, par mimétisme et par mémorisation du schéma. Et alors, le guide vert relate une expérience à la page 13, je peux même être très précise, très intéressante sur cette question-là, en montrant chez des bébés de 20 mois comment ils réagissent à la substitution d'un verbe par un autre. Alors, il y a toute une expérience qui est relatée, qu'on pourra lire plus en détail, mais qui montre bien que les enfants transfèrent finalement les propriétés du verbe à un autre verbe, sans évidemment se dire que c'est un verbe, c'est une évidence, mais qu'ils comprennent que, par exemple, si on remplace « elle saute » par « elle trépigne », les catégories du mot « trépigner » vont être du même ordre que le verbe « sauter ». Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que pour faciliter la compréhension, l'accès au sens, la place du mot dans la phrase est tout à fait déterminante. C'est-à-dire qu'on aide l'enfant à comprendre quand on lui présente les mots dans un schéma syntaxique, évidemment simple. C'est donc jouer aussi sur ces manipulations-là, encourager ces manipulations, ces changements. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un contexte sémantique à respecter, avoir un appui pour faire le lien entre le mot et la chose, mais aussi un contexte linguistique, un contexte syntaxique qui invite vraiment à donner les mots dans un schéma syntaxique qui va non seulement construire la syntaxe de l'enfant, mais aussi l'aider, lui donner des pistes pour qu'il comprenne. Vous aviez d'autres éléments justement sur alors celui-ci est peut-être en fait renvoie un petit peu à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que enseigner la forme, le contenu, l'usage, ce sont les termes du guide vert que j'ai repris. La forme, c'est-à-dire les sons, le contenu, c'est le sens, l'usage, l'utilisation en contexte. L'enseigner, c'est faire attention à la phonologie, donc vraiment être très très attentif à cette question des sons du mot, le sens ou peut-être déjà l'essence quand on arrive en grande section, on peut rendre les enfants sensibles à la polysémie de certains termes. Et puis l'usage, effectivement, c'est l'utilisation en contexte. Et tout cela est articulé avec la production. C'est-à-dire que quand on articule compréhension et production, ce qu'il convient de faire très régulièrement, il est important aussi de s'assurer que l'enfant mémorise le son, le contenu, le sens et l'usage en lui faisant produire des phrases dans lesquelles il utilise les termes. Autrement dit, l'apprentissage du lexique qui consiste à décrocher le lexique de phrases est à regarder avec beaucoup de prudence. On comprend bien quand même que cognitivement, c'est quelque chose d'assez lourd pour l'enfant. Exactement. Quand on voit tous ces paramètres. C'est-à-dire que même quand on regarde un imagier, finalement, avec un enfant, c'est bien de faire des phrases. Au lieu de nommer crayon, trousse, de dire c'est un crayon, c'est une trousse. Essayez vraiment d'inscrire le mot employé dans une petite phrase, aussi simple soit-elle. C'est vraiment important à tout point de vue pour la production du langage, mais aussi pour la compréhension, sachant que les deux sont forcément très liés. Donc prudence avec les imagiers, un usage, mais un usage en effet. Un usage avec une syntaxe de base qui accompagne la manipulation, l'usage de l'imagier, effectivement. Sur la mémorisation et la récupération, je ne vais pas m'attarder parce que, alors évidemment, ce sont des enjeux tout à fait importants aussi pour la compréhension. C'est-à-dire, plus les choses sont mémorisées, plus l'enfant comprend. Mais on est là sur des gestes pédagogiques qui, normalement, sont connus, qui ont été abordés, je crois, dans des conférences sur le lexique. Mm-hmm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que favoriser la mémorisation par des retours sur l'usage des mots et la récupération par un réinvestissement, y compris dans les semaines qui suivent l'apprentissage et même dans les mois qui suivent, revenir toujours sur ce qui a été appris, ça soulage la mémoire de travail des enfants et donc ça facilite leur compréhension, bien évidemment. Et vous aviez un dernier élément aussi à nous communiquer, ce qui me permet de faire le lien justement avec une conférence de Maryse Bianco qui est intervenue lors d'un direct à l'Institut et que nous pouvons aussi encourager les participants à consulter cette vidéo qui reste disponible sur la chaîne YouTube de l'IH2EF et qui fait vraiment le lien avec la continuité avec votre propos aujourd'hui puisqu'elle intervenait sur la compréhension au cycle 2 et cycle 3. Et donc là, vous aviez un dernier élément que vous souhaitiez évoquer sur cet apprentissage du lexique. Oui, sur l'étendue du vocabulaire à 5 ans qui prédit la compréhension en lecture à 8 ans et de façon très intéressante, indépendamment du niveau d'études des parents. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un enjeu fondamental pour l'apprentissage de la lecture
sous l'angle de la compréhension véritablement. Et c'est bien cela que l'on cherche aussi à moyen et long terme, faciliter cette compréhension. Donc tout ce que l'école maternelle peut construire sur le plan lexical, en essayant de faire attention aux quelques points de vigilance sur lesquels nous attirons l'attention de nos auditeurs et spectateurs, tout ça est vraiment fondamental et c'est, je pense, un outil de pilotage vraiment, vraiment précieux pour les inspecteurs. Il pourrait être intéressant de regarder, par exemple, à l'échelle d'une école maternelle, si une progression en lexique, en apprentissage du lexique est envisagée. Si au moins il y a un échange entre les professeurs de petite, moyenne et grande section sur cette question-là. Alors, on ne va pas finir cette partie, nous, sans signaler et rappeler qu'il y a des ressources. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que l'on soit enseignant, que l'on soit inspecteur de l'éducation nationale ou conseiller pédagogique, on a heureusement à disposition des ressources. Donc, on va vous montrer rapidement une première ressource que vous connaissez probablement. Donc, je vous laisse l'évoquer, les ressources du SCOL. Voilà, c'est justement, bon, je parlais des progressions en vocabulaire. Il y a des exemples de séquences qui sont vraiment très riches et bien faites et très détaillées sur EduSCOL, sur la page que nous projetons maintenant. Rappelez également qu'il y a des attendus de maternelle qui aident ce travail collectif, justement, tout ce travail d'équipe. Exactement. Alors, les attendus sont davantage axés sur la production, mais pour des raisons que l'on peut comprendre. Il est beaucoup plus facile de mesurer la production d'un enfant que la compréhension, pour les raisons que nous avons détaillées dès le début de cette intervention. Mais malgré tout, tout est lié. C'est-à-dire que plus un enfant produit, plus il comprend. Et plus il comprend, plus il produit. Enfin, c'est vraiment là aussi un cercle vertueux entre les deux opérations cognitives auxquelles se livre l'enfant. Et donc, vous avez là quelques ressources que vous souhaitez nous montrer après coup, bien sûr. Et donc, peut-être une synthèse avant d'évoquer ces ressources que, de toute façon, nous mettrons en lien aussi sur le site de l'IH2EF pour accompagner votre intervention. Donc, une synthèse de cette seconde partie sur, justement, comprendre le langage oral avant d'arriver sur la... comprendre le langage écrit. Donc, de façon synthétique, ce qu'on peut rappeler, c'est que la compréhension de l'oral, elle se fonde sur une relation à l'adulte de qualité. Ça fait le lien aussi avec la première partie. Elle s'ancre dans un contexte qui est un contexte à la fois référentiel, c'est-à-dire toujours essayer de donner le lien entre le mot et la chose, et un contexte linguistique au sens de la syntaxe. Et puis, elle s'accompagne parallèlement de production orale qui va jouer un grand rôle dans la compréhension de l'enfant. Et c'est donc cette familiarité avec la langue orale qui va permettre à l'enfant d'approcher la langue écrite de la façon la plus sereine, la plus confortable possible. Donc nous mettrons d'autres ressources à disposition. On vous montre rapidement la diapositive, mais voilà, on mettra le lien sur le site en référence à cette intervention. Nous allons vous proposer maintenant d'aborder, donc, pour les 15 dernières minutes, la dernière partie d'intervention de Madame Mottet sur comprendre le langage écrit. Alors, est-ce que justement on peut parler de compréhension de l'écrit à l'école maternelle? On voit bien qu'il y a une approche de l'écrit. Qu'en est-il de la compréhension de l'écrit? Donc la compréhension de l'écrit, évidemment, est à nuancer, hein, vous l'avez dit. La compréhension de l'écrit, elle est à concevoir selon, finalement, deux angles. C'est la compréhension de la fonction de l'écrit, dans un premier temps, et il importe que les enfants comprennent à quoi sert l'écrit et ce que c'est que ce code qu'ils découvrent et auquel ils ne sont absolument pas habitués. Et puis, comprendre le sens de l'écrit, mais comprendre le sens de l'écrit, ça va se faire par une médiation, dans un premier temps, qui est celle de la voix du professeur des écoles et de l'ATSEM parfois, ou des adultes et des parents qui interviennent parfois pour venir lire des albums aux enfants. Mais la compréhension de l'écrit ne se fait évidemment jusqu'en grande section que par le prisme de cette lecture orale de l'adulte. Est-ce que justement, parce qu'il y a souvent des propos, des réflexions à ce sujet, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que faire produire un élève à l'écrit lui permet de mieux comprendre l'écrit? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux? Par rapport aux gestes graphomoteurs, oui. Par exemple, tout à fait. On sait, par exemple, ne serait-ce que par rapport à l'apprentissage du principe alphabétique, enfin de l'alphabet, que le geste graphomoteur permet à l'enfant d'intégrer cérébralement la forme de la lettre et donc facilite sa reconnaissance visuelle dans un texte. Autrement dit, pratiquer le geste graphomoteur de l'écriture, c'est accéder à une forme de fluence qui devrait être plus efficace que s'il n'écrivait pas. Et d'ailleurs, on recommande d'apprendre à lire et à écrire en même temps. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait faire tous ces tracés préparatoires
en maternelle. Donc, on retrouve là aussi la notion d'engagement physique de l'enfant. C'est-à-dire que son engagement corporel dans l'acte d'écrire va contribuer aussi à l'aider à donner du sens à ce code qu'il découvre et dont il va percer peu à peu les mystères. Mais plus l'enfant est confronté effectivement à la réalité physique, j'ai envie de dire concrète, de la lettre, de l'écriture, plus il va comprendre facilement finalement l'enjeu, les enjeux, les intérêts de la découverte de ce code. On peut peut-être regarder justement des évaluations CP, oui. Ce que ça donne sur cette question-là. Alors, nous constatons tous, et nous le savons, qu'en tout cas en 2019, elles étaient bien plus encourageantes que les résultats qui concernaient la compréhension des mots lus par l'enseignant. Donc des résultats qui sont honorables, mais pour autant, et malheureusement, qu'il faut nuancer par les résultats de Pearls en CM1 et de PISA à l'âge de 15 ans, que Philippe Viamier a commenté dans la semaine, dans une de ses interventions, et sur lesquels il signalait des écarts sur lesquels nous reviendrons, parce que ça peut interroger la façon dont nous faisons lire, ou dont nous faisons découvrir les albums aux enfants. Notamment sur certains écarts entre les pratiques pédagogiques françaises et les pratiques pédagogiques à l'œuvre dans d'autres pays européens. Alors juste peut-être pour préciser au public qui n'a pas suivi, parce que c'était là vous parlez d'une intervention qui a lieu dans un cadre précis du séminaire de rentrée des inspecteurs de l'éducation nationale. Le public qui nous suit, nous faisons référence à une note de l'ADEP qui donc évoquait les résultats donc aux évaluations internationales de PIRLS, donc de nos élèves de CM1 en compréhension notamment. Donc des résultats qui nous donnent quand même certaines indications. Donc voilà, il faut prendre en compte. Et qui sont à nuancer par la suite. C'est vrai que dans la suite du cursus, la compréhension interroge. Et c'est donc une réflexion d'ensemble qu'il faut mener sur la compréhension de l'écrit, même si entre maternelle et cours préparatoire, les résultats ne sont pas mauvais du tout. Ils peuvent toujours être meilleurs, ça, c'est sûr. Donc le programme nous rappelle quand même. Donc on voit bien qu'il y a des attendus à l'école maternelle à ce sujet. Donc là, on les fait paraître de manière succincte, parce que vous pourrez vous y référer sans souci. Les programmes, bien sûr, sont à votre disposition. Les programmes, les attendus, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, justement ? Sur les fonctions de l'écrit, on peut rappeler que l'école maternelle permet de découvrir pour un enfant à quoi sert l'écrit sur le plan pratique. L'écriture de son nom à côté de son porte-manteau qui lui permet de savoir que c'est là, parce qu'il reconnaît très vite la forme de son prénom, que c'est là qu'il doit accrocher ses vêtements, les étiquettes de rangement, le menu par exemple qu'on lui lit le matin à l'arrivée à l'école ou que le professeur lit dans la journée. Une fonction documentaire, l'enfant doit comprendre au fil de sa scolarité à la maternelle que c'est dans l'écrit qu'on va chercher des informations. Par exemple, imaginons qu'on ait un élevage de lapins dans la classe. Le professeur peut très bien aller montrer à ses élèves que c'est dans un livre ou dans un texte, peut-être même sur Internet, qu'on va trouver des informations sur l'alimentation du lapin, la croissance du lapin, etc. Donc il y a toute cette dimension documentaire que l'enfant doit vraiment comprendre aussi en maternelle. Et puis la dimension littéraire ou esthétique, c'est-à-dire c'est par l'écrit qu'on me lit des histoires. Donc il y a ces trois fonctions de l'écrit, elles sont vraiment importantes et ce sont elles qui peuvent donner envie à l'enfant d'apprendre à lire. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis l'autre découverte, c'est le principe alphabétique sur lequel je ne vais pas m'étendre non plus parce que ça tient plus à l'apprentissage de la lecture. Mais il est important que l'enfant comprenne que ces signes étranges qu'il voit autour de lui correspondent à du son et donc à du sens. Peut-être que nous pourrions là, il nous reste 7 minutes très exactement, évoquer la question des albums. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un attachement aux albums. On voit des pratiques dans les classes extrêmement différentes aussi autour de cette approche-là. Écouter des lectures, est-ce qu'on rentre dans la compréhension de l'écrit ? Nécessairement oui, mais tout dépend de la manière dont on va pratiquer. C'est ça, tout dépend de la manière dont on va le pratiquer. Ça dépend d'abord déjà du choix de l'album. C'est-à-dire qu'il est vraiment important que les albums choisis par les enseignants proposent un vrai langage écrit et pas une retranscription du langage oral comme on le voit parfois trop souvent dans les albums, ou en tout cas pas uniquement. Évidemment, dans certains dialogues, il y aura une transcription de langage oral, c'est une évidence. Mais il importe que les enfants entendent par la médiation de la voix du professeur du langage écrit. Autrement, ils font de la compréhension d'oral. Il faut bien avoir ça en tête puisqu'ils n'ont pas accès eux-mêmes au code écrit. Donc, faire en sorte que l'album propose une certaine qualité, accessible bien sûr, de langue véritablement écrite.
faire en sorte que ce soit un moment de plaisir. Ça, c'est vraiment absolument important, et que la lecture soit bien faite. Et sans doute, y a-t-il là un enjeu de formation aussi très important. Peut-être que nous pourrions justement donner quelques exemples. Hein, en tant que UN chargée de circonscription, j'ai pu voir, comme mes collègues et comme les enseignants qui nous écoutent, des pratiques extrêmement différentes. Il n'y a pas une démarche type, mais il y a des démarches autour de la lecture d'albums qui fonctionnent, en tout cas qui semblent fonctionner mieux que les autres. On a par exemple, lorsqu'on lit un album, des enseignants, on les voit s'arrêter systématiquement à chaque page, par exemple. Donc pour questionner, et on voit bien très rapidement que l'attention des élèves n'est plus là. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute des élèves, de voir que finalement cette lecture hachée peut être extrêmement négative. Par contre, une lecture où on va s'arrêter à des moments stratégiques clés du scénario narratif, là ça peut être intéressant justement. Exactement. De travailler la compréhension. C'est ça. Où il y a des pratiques enseignantes selon la longueur de l'album, des enseignants qui font le choix de lire entièrement l'album dans un premier temps pour une lecture plaisir, et puis de revenir sur la compréhension dans un second temps, à un autre moment. Donc il n'y a pas de formule magique, on va dire, mais il y a une logique à avoir en fonction de la bonne connaissance que l'on a de son public, exactement, des enfants qui sont face à nous. Bien sûr. Et de s'adapter aussi, et d'avoir des logiques différentes et assumer. C'est ça. Ce qui est vraiment à retenir, je pense, c'est que l'enfant puisse accéder au sens. C'est-à-dire qu'une lecture qui va être entrecoupée, comme vous venez de le décrire, constamment pour des questions de temps, parfois tout simplement, mais qui va s'arrêter à des moments inopportuns, va frustrer terriblement les enfants et peut les décourager complètement d'entrer dans la lecture. C'est vraiment important que l'enfant puisse accéder au sens, et pour ça que la lecture puisse se dérouler de façon correcte. Moi, j'avoue que je prêche pour les lectures intégrales, quitte à les reprendre après. D'ailleurs, il est conseillé de les reprendre après, en les séquençant avec un objectif pédagogique précis. Mais que la première lecture, quand l'âge des enfants et la longueur de l'album le permet, que cette première lecture soit complète, ça me semble vraiment tout à fait important par rapport au sens de l'histoire et au plaisir de l'enfant. Alors, sur la compréhension, comment on va favoriser cette compréhension, justement? Alors, là, il y a des choses très, très importantes à dire. Peut-être je vais aller droit à la chose la plus importante. Il y a des recherches qui sont menées depuis la fin des années 90 au Canada sur la lecture dialogique interactive, qui aurait des résultats très importants sur le plan de la mémorisation du lexique. Il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites sur des enfants de 3 à 5 ans. Ce qui ressort de ces études, c'est que l'album doit être lu plusieurs fois, que l'engagement actif de l'enfant doit être sollicité et que le vocabulaire nouveau doit être utilisé pendant la lecture. Pour autant, sur la lecture dialogique, qui propose une espèce de quadrillage de questions chez les Canadiens avec des questions du type qui, quoi, quand, où, méfiance, puisqu'on peut considérer aussi, et je dirais surtout, que la littérature est un objet transitionnel. Un peu à la manière d'un doudou, la littérature fait le lien entre, et quand je dis littérature, j'englobe vraiment la littérature de jeunesse, hein, j'en parle au sens très large, fait le lien entre l'intime et le collectif, entre l'expérience subjective et l'expérience partagée par une communauté. Et c'est important, c'est ça qu'il faut faire sentir aux enfants. D'où l'importance du partage et de la communication sur ce que me fait la lecture, ce que j'en comprends, ce qu'elle me fait sur le plan des impressions, le personnage auquel je m'identifie, à quel expérience de vie, cette lecture me renvoie. Et moi, je préfère au qui, quoi, quand, où des expériences canadiennes, les questions du type qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie? Et c'est là que je fais le lien avec Pearls. La France, dans les déclarations qui sont faites par les enseignants, pratiquerait 41% moins que les autres pays les questions du type relater, enfin faire le lien entre ce qui est lu et les expériences personnelles de l'enfant. Et ça, c'est vraiment un manque terrible. Et je pense que ça se construit dès la maternelle. C'est-à-dire que entrer dans la lecture à la maternelle, c'est vraiment faire en sorte que ce qui est lu parle à l'enfant et que l'enfant puisse parler de ce que lui fait la lecture. Et je crois que si on réussit ça à la maternelle, et même parfois plus tard, on peut réussir à faire de nos enfants et de nos élèves ensuite des lecteurs. Nous arrivons tout doucement à la fin de votre intervention, Madame l'inspectrice générale. En conclusion, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire justement aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, dans les fonctions qu'elles occupent, aussi diverses soient-elles, autour de cette question de la compréhension à l'école maternelle? Je dirais que la question de la compréhension à la maternelle, elle nous invite à regarder l'école autrement, peut-être. À regarder l'école autrement en partant des besoins fondamentaux de l'enfant,
En considérant que l'école est un endroit qui accueille l'enfant et qui le laisse grandir à son rythme en étant nourri, et où le corps et les émotions sont aussi importants que la préparation aux apprentissages scolaires. Donc la compréhension à l'école maternelle, elle nous invite en fait à une réflexion peut-être moins scolaire. Et elle nous rappelle que l'élève est d'abord un enfant et qu'on ne saurait prétendre enseigner quoi que ce soit en passant outre ses besoins fondamentaux. Et si cette question est particulièrement cruciale quand on accueille des enfants de 3 à 6 ans, je pense qu'elle le reste plus tard dans le cursus et qu'il serait peut-être bon parfois de faire de la maternelle une référence pédagogique constante, y compris quand on enseigne à des adolescents. Merci à vous, en tout cas, Madame l'inspectrice générale, donc Catherine Mottet, d'être intervenue aujourd'hui donc dans les studios de l'IH2EF. Nous vous mettrons à disposition la capsule assez rapidement, hein, donc sur notre chaîne YouTube, et un certain nombre de ressources aussi sur le site Internet. Donc nous saluons vraiment toutes les personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui. Et je remercie chaleureusement toutes les personnes en coulisses, notamment l'équipe audiovisuelle qui rend possible cette diffusion, et également Marie-Camille, notre community manager, qui a fait le lien avec les réactions que j'ai pu glisser aussi les interactions avec vous dans le questionnement que j'ai pu vous poser. Madame l'inspectrice générale, merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain direct. Restez informés, consultez le site internet de l'Institut ou également le Twitter donc, de l'IH2EF. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.